Je suis un peintre du lundi et à partir du mardi, j'ai commencé à travailler avec d'autres médias, la photographie, la vidéo, l'image de synthèse 3D, l'animation, la réalité virtuelle, l'installation urbaine. Et maintenant, je travaille plus avec des médias plus pervasifs qui envahissent un peu d'autres terrains de l'activité humaine. Et j'utilise l'électroencéphalographie, la blockchain, l'art participatif, les NFTs, comme on dit, les non-fungible tokens. Value of Values est un projet qui part d'un principe relativement simple, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas des choses. Ce sont notamment les abstractions. L'abstraction humaine, ce sont des choses qui existent dans notre tête et leur écosystème et le cerveau humain. Et dans les abstractions humaines, il y a quelque chose de plus particulier qui sont les valeurs humaines. Et les valeurs humaines, c'est celles qui déterminent en fait nos actions, celles qui déterminent nos actes, celles qui conditionnent nos choix de vie, nos choix de combat, etc. L'idée de la Brain Factory au départ, et de donner une forme à ces choses qui n'existent que dans notre tête, c'est-à-dire qui n'ont pas de référent extérieur. Par la pensée, en utilisant l'électroencéphalographie, on va orienter l'évolution de cette forme. Chaque abstraction a une forme pour la Brain Factory et chaque valeur a une forme pour Value of Values. Et donc, à la fin du process de Value of Values, quand on a passé 8 minutes à donner une forme à une valeur particulière, comme liberté, amour, passion, pouvoir, cette forme-là va être enregistrée sur la blockchain, en ligne, comme une valeur financière, et elle va donc pouvoir être négociée. On va pouvoir faire du trading, on va pouvoir l'échanger, la partager, la vendre et acheter. Et ça, ça va déterminer la valeur, comme à la bourse, la valeur des valeurs humaines. Et donc, on saura par pays, par ville, par personne, ce qui est important. Est-ce qu'il est plus important d'avoir de l'amour que de l'argent, du sexe que de l'amitié, du pouvoir que de la célébrité? Et ceci va nous donner une nouvelle compréhension du monde et des relations entre les individus, les pays, les villes et les continents.